On a refait toute une mise en scène qui a donné une dimension superbe à ce spectacle, puisque en fait lui il est clown, c'est un comédien trompettiste, excellent comédien clown, excellent trompettiste, donc du coup il a pu redonner par une mise en scène clownesque et surtout toute une réorganisation avec une interaction avec le public. Une autre dimension du spectacle qui est devenue plus burlesque, mais qui reste quand même dans l'objectif premier, qui est un spectacle sur l'histoire du jazz, un spectacle qui retrace l'univers du jazz à partir du blues pour cette version-là du spectacle. Les enfants sont bien réceptifs au jazz? Vous disiez que vous faisiez de l'éveil au jazz? Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'éveil musical pour les enfants, seulement avec du jazz, bon, seulement, c'est ma spécialité, on va dire. Et en fait, au contraire, je dirais, le jazz, c'est vraiment une musique qui est très rythmée, en fait. Grâce à un processus de captation d'ondes sonores, la machine que voici va accumuler une quantité énorme de gigasics dans le musicomètre que voilà. Et à partir de là, va se former une spirale, gigantesque spirale, dans laquelle nous allons être transportés, spirules, téléportés jusqu'au pic gigasinistique du gaz. On a été vraiment enchantés de jouer aujourd'hui parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas joué. Et voilà une espèce de reprise. Non, mais on recommence bien, hein. Ah ouais, on s'est régalé. Bien, c'est bien amusé. Les enfants étaient merveilleux, ils étaient à l'écoute, hein, ouais. Très gentils. Bon, ils riaient des fois pour des choses quand même, hein, quand je suis tombé. Quand ouais, même, ouais. Ils sont un peu moqués de moi. C'est ça le plus drôle en fait. Ah oui, c'est ça. Non, ça a été super. Ce qu'ils savaient pas, c'est que c'était pas prévu. Vous voulez faire une annonce, votre prochain spectacle c'est... Alors, pour l'instant, notre tournée est en cours de montage. Voilà. On n'est pas sûr de rejouer avant le prochain Covid. Non, en fait, on n'a pas encore. On a tous les lieux, mais on n'a pas encore. On est privilégié alors. Ben oui, parce qu'ils nous ont appelé, on nous a dit on aimerait avoir votre spectacle. On a dit allez, on le remet en route. De toute façon, il fallait redémarrer à un moment donné. C'est une jolie répétition. Ouais, les répétitions, le travail, tout, remettre. Ça, c'est le plus dur, le travail. Merci beaucoup. Non, un spectacle comme ça merci, demande un travail merci, énorme. Merci, merci surtout à l'organisation. Ouais, merci beaucoup. Ça m'a permis de rejouer. Merci.